à tous et bienvenue dans Téléfoot L'After avec notre invité qu'on peut applaudir de nouveau, Vahid Halilhodžić, avec Duchente, avec Thomas qu'on retrouve, avec Charlotte et avec Jean-Christophe Drouet, tonnerre d'applaudissements. Il est parmi nous pour une nouvelle rubrique. L'événement de l'After, ce sont les détraqués qu'on va retrouver tout au long de notre émission. Alors qui sont-ils? Eh bien c'est Didier Deschamps qui nous les présente. Bonjour, c'est Didier Deschamps. Avec mon collectif des détraqués, on va venir jouer les prolongations avec vous. Ça fait rêver, hein, Neymar, Zizou et Mbappé dans la même équipe. On va intervenir dans l'émission pour amener un peu de rigueur, parce que je trouve qu'on s'amuse un peu trop dans Téléfoot de l'After. Je vous rappelle qu'on a une Coupe du Monde dans 3 mois. D'ailleurs, tu fais quoi, Bichente, cet été? Non, parce qu'il me manque un latéral gauche. Et t'as l'air en forme, hein? Ah, ça entretient, le surf. Allez, à tout à l'heure. C'est vrai que ça entretient, le surf. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Michel? Je suis prêt. Vous êtes prêt. On débute justement avec l'équipe de France, Charlotte, notre sondage. Est-ce que cette victoire en Russie a rassuré nos supporters? Eh oui, on vous pose la question. Jusqu'où iront les Bleus à la Coupe du Monde, selon vous? Victoire, finale, demi-finale ou quart de finale maximum? Quelques minutes pour répondre. On vous donne la réponse en fin d'émission. On a entendu Paul Pogba s'exprimer dans Téléfoot et j'ai demandé à Didier Deschamps le schéma qui correspondait le mieux au manque. On l'écoute. Il est capable de faire les deux, sincèrement. Mais où il exprime le plus ses qualités de créativité et d'aller vers l'avant, c'est forcément quand ils sont à trois. Je le sais. Et comme il y a d'autres, peut-être qu'ils sont mieux dans un 4-4-2 parce qu'ils préfèrent cette position. Mais je ne peux pas contacter tout le monde. Voilà. Par moments, c'est un qui doit faire un peu plus d'efforts. Mais il est capable de... Des fois, c'est un autre. Mais il est capable... C'est un milieu de terrain complet. Même si l'aspect offensif l'intéresse beaucoup plus que les tâches défensives. Alors, bon, il est meilleur avec ballon que sans ballon. 4-4-2 ou 4-3-3, c'est un choix cornélien. Si on décrypte, on comprend qu'il préfère Pogba dans un 4-3-3. Mais qu'il avait mis le 4-4-2 pendant l'Euro pour Griezmann. Alors on joue comment? Non mais déjà, c'est vrai que c'est un joueur qui est plus, on va dire, à l'aise en phase offensive qu'en phase défensive. Donc après, il faut renforcer ton milieu en conséquence ou avoir une défense. Si tu as des latéraux qui montent beaucoup et que ton milieu en plus de ça est plus joueur, ça pose un problème d'équilibre. Donc voilà, je pense que ce qui lui manque, pour qu'il soit au top, de mon point de vue, c'est cette discipline tactique aussi, cette agressivité dans les duels, parce qu'il a tout. Il a un physique très imposant, il a une qualité technique assez extraordinaire, mais pour moi, il n'exploite que la partie spectaculaire de son jeu. Mais il y a une partie qui est très importante aussi, c'est le travail que tu fais pour l'équipe. Et là, à certains moments, c'est vrai qu'on a l'impression que, bon, il se regarde un peu jouer. Ouais, on peut le dire, et il peut progresser là-dessus. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Vahid dans Téléfoot. Vous comprenez l'agacement de José Mourinho par rapport à Paul Pogba? Vraisemblablement, il n'est pas content de sa performance parce qu'un joueur, il a tellement de qualité, et offensive, et défensive, vraisemblablement, il va faire un petit peu plus d'efforts, plus discipliné, plus rigueur. Ça, c'est aujourd'hui l'équipe qui ne défend pas, tu ne peux pas gagner, surtout contre une grande équipe. Il faut que chaque il y a obligation dans le replacement, activité défensive, autrement, ça ne marchera pas. Et lui, il a toutes les qualités exceptionnelles pour devenir vraiment un des meilleurs joueurs du monde, un patron, un leader, mais leader positif. Vous savez, il y a des leaders négatifs aussi. Et juste souligner pour l'histoire de l'équilibre, je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup du Brésil en ce moment qui monte en puissance. Vous avez vu avec quel milieu ils ont joué? Ils ont joué avec 3 milieux à vocation défensive. Casemiro. Fernandinho et... Paulinho, c'était Paulinho. Enfin, c'était 3 milieux à vocation défensive pour laisser les latéraux monter. Et nous, on est plutôt avec l'utilisation de 2 milieux à vocation un peu plus offensive au milieu. Donc voilà, c'est pour dire que cet équilibre-là, il est quand même très très important. Et toujours dans ce débat 4-4-2 ou 4-3-3, est-ce que Olivier Giroud, il ne serait titulaire que dans le 4-4-2? On a vu qu'il n'a pas joué là dans le 4-3-3. Non, il peut être titulaire dans le 4-3-3. Il peut être titulaire, pour moi, ça reste un joueur, on va dire, de fixation, de surface, un point d'appui. Voilà, il n'a pas la même qualité technique, on le sait, qu'un Griezmann ou qu'un Mbappé. Mais par contre, dans son registre, il est utile pour ces mecs-là. C'est un fronton
quelque part. Tu t'appuies sur lui pour jouer. Et pendant l'Euro, Griezmann, ça n'est très très bien servi. Voilà. Après, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire ces derniers mois avec son club de Chelsea? Quelle sera sa forme à lui aussi? Il y a peut-être d'autres essais à faire. Mais en tout cas, il a toujours été très utile avec l'équipe de France. Et les 30 buts, c'est ça? 30 buts? 30 buts, bon, effectivement. En 71 ou 72 sélections. C'est remarquable, quand même. Didier Deschamps, qu'on a également suivi le long de la touche lors de Russie-France. Voici ses réactions durant le match. C'est Deschamps contre Champ par les détraqués. Allez, Nas Drogué. Et t'as vu, Paul, il y a déjà des figurines de toi qui sont sorties, hein? Oh, c'est pas passé loin, hein? Pas passé loin de la lune. Je vois... Il faut que tu tires à droite du gardien! Tire à droite! Et voilà, c'est imparable, les esprits ont parlé. Ouais, on n'y croit pas, là! Tiens-toi la jambe! Mais qui m'a fichu un comédien pareil? Bon, passons à la séquence 23, celle où tu mets un but. Voilà! Yes! Elle est bonne, on la garde. Bon, c'est bien, les gars, hein? Allez, on se voit dans 2 mois pour le prochain match. On passe à notre nouvelle rubrique dans l'After, le CSA avec Jean-Christophe Drouet, qu'on peut applaudir de nouveau là pour le mettre en condition. Voilà. Jean-Christophe, vous connaissez Vaïd? Vaïd, ouais, j'adore, j'ai tous ses disques. Mais Vaïd n'a pas applaudi quand même. Ça commence bien, il vous met bien en condition. Bon, je m'excuse. Vous êtes donc le CSA de l'After, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comme chacun sait, le CSA veut dire Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oh là. Non, pas du tout, pas du tout. Critique des sportifs à l'antenne. Ma fonction est simple, dès qu'il y a enfumage, je suis là évidemment pour le dénoncer. Aujourd'hui, le CSA s'est intéressé aux Bleus après les 2 matchs face à la Colombie et la Russie. Petit exemple d'enfumage. Pour bien comprendre le rôle de ce CSA, lundi dernier, veille de Russie-France, Laurent Cochenier est en conférence de presse. La classique, on lui demande de quel joueur russe il faut se méfier. Laurent Cochenier. Personnellement, je ne connais pas de joueurs. Maintenant, oui, ils ont quelques joueurs comme Kokorin. Quel enfumage. Kokorin, oui. Kokorin. On va réécouter. Il a dit un joueur russe, c'est celui-ci. Maintenant, oui, ils ont quelques joueurs comme Kokorin. Voilà, Kokorin. Et c'est lui, d'ailleurs, vous allez le voir, Alexandre Kokorin. Hein, bah, ce fameux Kokorin s'est fait les croisés 10 jours plus tôt. Il est forfait pour la Coupe du Monde. Du coup, ça sent un peu la raclette, évidemment, pour faire peur à Laurent Koscielny le lendemain. Heureusement que Didier Deschamps, lui, a bien révisé son russe. Il a aussi été interrogé sur les joueurs russes. T'imagines, Didier Deschamps qui dit « Ah ouais, il y a Kokorin ». Ah non, ça ne le ferait pas. T'imagines ouais. Il y a de la qualité, s'il faut ressortir, que ce soit Smolov devant, Kokorin, voilà, c'est des joueurs de qualité. Eh oui, des joueurs de qualité, des genoux visiblement aussi de qualité. Bon, c'est la boulette. Ça prouve au moins que les Bleus ont bien bûché sur leurs adversaires. Et ça, Fred, ça fait plaisir. On a bien compris le concept du CSA. Alors, vous êtes intéressé à qui cette semaine? À Paul Pogba. Il était en exclusivité dans Téléfoot. Oui, on en a déjà un petit peu parlé. Bon, déjà, d'ailleurs, dans Téléfoot, Didier Deschamps l'a bien poussé hein, pour qu'il fasse cette interview. Alors, il faut savoir quelque chose. À chaque rassemblement des Bleus, et le dernier n'a pas dérogé à la règle, il y a une question sur Paul Pogba. Ça fait 5 ans que Paul Pogba est en équipe de France. Ça fait donc beaucoup de questions. Bonjour Didier. Un mot sur Paul Pogba. On a souvent présenté Paul Pogba. J'avais posé une question particulière sur Pogba. Et Paul Pogba, est-ce que tu penses du début de saison de Paul Pogba? Pogba est un joueur qui franchit beaucoup de paliers. De qui? D'Anthony? De Paul Pogba. Ah, je me doutais que c'était de Paul, oui. Paul Pogba. Alors Didier, cette fois c'est sur Pogba. Je sais que t'attendais une question sur Pogba parce que, comme d'hab. Sur Paul Pogba. Pogba, brigne de défendre souvent Paul Pogba en disant il mérite plus de respect. J'aime bien toi, Paul Pogba. Hein? Vas-y. Eh oui, il aime bien évidemment Paul Pogba, je crois qu'on a compris la séquence. J'ai compté, ça fait 456 questions en 5 ans sur Paul Pogba. C'est vrai? Quoi? Exactement. Non, j'ai évidemment pas compté, sinon cette chronique serait sortie au mois de juillet. Non, ça fait évidemment beaucoup de questions, vous l'aurez compris, mais surtout ça fait des réponses. Une, oui, une seule, c'est le principe du shaker, gros moyen évidemment à TF1, on l'a dit. Didier Deschamps nous dit toujours, toujours la même chose sur Paul Pogba. On va donc se servir de ce petit shaker, petit 1, et on va le mettre dedans. C'est un jeune joueur.
Des jeunes, certes. Il est encore un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Il est encore jeune, c'est vrai. Il est encore jeune. Il est jeune. C'est pas un handicap. Paul, c'est encore un jeune joueur. C'est encore un jeune joueur. C'est encore un joueur assez jeune. Très, très jeune. On n'a jamais vu un mec rester aussi jeune aussi longtemps. Il est jeune. Il a 25 ans. Exactement. Mais petit 2, avec un énorme potentiel, marge de progression, qualité, tout. Ouais. Paul est un joueur avec un énorme potentiel. Il a beaucoup, beaucoup de qualités. Des qualités au-dessus de la moyenne. S'il a énormément de qualités, il en a. Paul a un énorme potentiel. C'est un joueur de toute façon qui a un potentiel énorme. Il a encore une marge de progression avec des formidables qualités. Mais il a une marge de progression. Jeune, potentiel, qu'est-ce que vous rajoutez jeune, encore dans votre shaker potentiel. Ouais, énorme exactement, potentiel. Ça marche dans tous les sens. Alors, petit 3 que l'on va mettre dans le shaker, on attend trop de lui. Nous, vilains médias qui devons nous fouetter avec du parmesan. On attend toujours et plus de lui. On attend beaucoup de lui, toujours plus. Vous en parlez beaucoup de lui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a une attente qui est forte. Il y a une attente qui est trop grande. Vous attendez beaucoup de lui. Paul, il fera toujours parler de lui. Bon, je crois qu'on a compris aussi cette séquence. Parce qu'on attend qu'il transforme son énorme potentiel. Exactement, voilà, c'est ça. Mais bon, le problème, c'est qu'on attend trop de lui, alors que c'est pas un buteur, il s'est pas marqué. Quatrième ingrédient du shaker. On va pas lui demander d'avoir des statistiques d'un attaquant. Quand je dis efficace, c'est pas forcément en faisant, je le répète, des passes décisives et marquer des buts. J'attends pas de lui qui marque 2-3 buts à chaque match. Il peut pas sortir les ballons, organiser le jeu, faire les passes décisives et marquer. Bon, là, je crois que le shaker commence à être bien rempli, mais il reste un dernier point, ce n'est pas fini, comme disait Coluche. Dernier point, donc, Didier Deschamps caresse plus ou moins fort son poulain. Ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça. Mais ça tombe. Ce soir, je le laisse, mais après, il faut toujours être attentif. Il a besoin un peu des deux, des fois un peu la carotte, mais des fois un petit peu le bâton. Je lui ai dit ce qu'il a fait de bien et ce que j'ai pas aimé non plus. Je suis là pour l'aider. Mais je veux pas le brimer non plus. Moi, je suis là aussi pour lui dire. Il peut mieux faire. Mais quand il est pas bien, je serai là pour lui dire de toute façon. Merci Didier. Merci Didier, qu'on le connaît. Quelque chose, cette petite voix, ce merci Didier. Alors quand on mélange, ça donne quoi tout ça? Alors, ça donne ça. Alors le mélange déjà, bon là vous aurez compris qu'il n'y a rien dedans parce que c'est évidemment une métaphore du shaker. Alors il y a jeune, il y a potentiel, il y a attente, il n'y a pas un buteur et il y a caresse plus ou moins forte, vous aurez compris. On mélange tout, c'est bien fort, c'est bien frais. Et regardez, depuis 5 ans, Didier Deschamps vous dit ça et vous délivre ce cocktail sur Paul Pogba. Paul, c'est encore un jeune joueur avec un énorme potentiel qui a beaucoup, beaucoup de qualités, plus une marge de progression. Vous attendez toujours beaucoup de lui, mais il ne peut pas marquer 2-3 buts à chaque match. Mais vous inquiétez pas. Moi, je suis là aussi pour lui dire de peut mieux faire. La morale du CSA, amis confrères, arrêtez de poser des questions sur Paul Pogba, vous aurez toujours cette réponse. Merci Jean-Christophe. Très bon cocktail. Pour finir sur Paul Pogba, Bichente, une réaction à sa demande d'union sacrée. Ouais, pas que lui, il y avait Antoine Griezmann aussi, je trouvais ça extrêmement curieux. Pas très clair d'ailleurs dans la demande, parce qu'on ne peut pas demander l'union sacrée des journalistes. Un journaliste est là pour dire si le match a été bon, s'il n'a pas été bon. Et puis ce qui m'étonne, c'est qu'il est en Angleterre. Je ne crois pas que les journalistes en Angleterre soient plus sympas qu'en France, ou en Espagne, ils soient plus sympas qu'en France, parce que la critique, elle existe partout. Donc c'est ouais, avec plaisir.
Grâce à son coaching époustouflant, il est élu entraîneur de l'année 2018. C'est qui le king of the beach ici, hein? Et au Japon, le shintoïsme ainsi que le bouddhisme laissent désormais place au vaïdoïsme, qui devient la religion numéro 1 dans tout le pays. Ancien sélectionneur de l'Algérie, Ali Lodzik fait des jaloux, en témoigne ce tweet de Sofiane Feghouli, quelque peu contrarié. À Marseille, les ventes de maillots floqués Sakai explosent et les supporters se ruent à l'aéroport pour fêter le retour de leur idole nippon. Enfin, côté parisien, Leivin Kurzawa salue le sacre du Japon, comme toujours, à sa manière. Il y a une feinte ou ils sont super cons? Ah non, ils sont super cons. Ding, ding, ding. Une belle dédicace, hein, ça va mal. Vaïd, est-ce que vous y croyez un tout petit peu? Bah, même si on dit c'est utopique, illusionniste, mais tout est possible dans le football. C'est vraiment difficile, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est dur de disputer une compétition. Au Japon, on dit muzukashi. Hein. Ça, c'est muzukashi. Hein. C'est-à-dire, traduction? Ça vous, je parle pas compliqué. Très compliqué. Ah, compliqué, okay. Muzukashi. Ouais. C'est dur d'aller disputer une compétition sans pouvoir la gagner? Ben, il faut savoir, il faut être réaliste, il faut savoir avec quelle équipe qui tu vas. Bien sûr, je ne suis pas dans une position qu'on dit Didier, comme entraîneur de Brésil, Argentine, Espagne. On est encore plus modeste, mais malgré ça, on peut avoir aussi objectif, on peut avoir aussi ambition, on peut aussi avoir la volonté de faire quelque chose. Remarquez, vous savez, j'ai vécu Coupe du Monde avec Algérie, bah, c'était un succès phénoménal pour l'équipe Algérie. J'oublierai jamais cet accueil qu'on a eu après Coupe du Monde à Alger. Il y a, paraît-il, 2 millions de personnes qui scandent ton nom et comme ça. Ça, c'est aussi une victoire pour un pays comme l'Algérie. J'espère qu'on va refaire la même chose avec l'équipe Japon. Oui. Alors, le japonais qu'on connaît le mieux en Ligue 1, c'est Hiroki Sakai, le latéral droit de l'OM. Il va y aller? Vous allez le prendre à la Coupe du Monde? C'est un joueur titulaire. Normalement, il doit aller. J'espère qu'il va très vite mettre sur le terrain parce que c'est un joueur très important pour notre équipe. Il y a Eiji Kawashima, gardien de Metz, qui aussi un joueur très important malgré ses 35 ans. Il y a aussi un joueur très important, pas seulement sur le terrain, au dehors du terrain, parce qu'il y a une personnalité, c'est un leader vraiment intéressant pour notre groupe. Pour finir sur la Coupe du Monde, est-ce que vous placez l'équipe de France parmi les 2-3 favorites de cette Coupe du Monde, ou même la favorite? Plus grand favori, c'est le Brésil. Vous savez pourquoi? Enfin, l'équipe de Brésil a compris qu'il faut de temps en temps défendre. Avant, c'était que attaquer. Aujourd'hui, parce qu'on a rencontré cette équipe Brésil il y a quelques mois, j'étais surpris de qualité et rigueur défensif. Comme tout le monde aujourd'hui, défendre au bloc, trois lignes, il y a bloc plus bas, bloc plus haut, on presse plus haut. Maintenant, tout le monde, ils ont application défensive de remplacement. Pour ça, je dis, Brésil est un grand favori pour cette... Et en dessous du Brésil, vous mettez qui? Il y a 3-4 équipes. C'est d'abord la France, Espagne. Allemagne, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, Allemagne, il n'y a pas, je ne sais pas dans quel état est Neuer, leur gardien, et ils n'ont pas attaquant très haut niveau et capable de marquer le Ça ne nous va pas, l'Allemagne. D'accord. Bon, avec Allemand, on ne sait jamais. C'est vrai. On ne sait jamais. La France, Espagne, peut-être Argentine, parce que c'est peut-être dernier coupe du monde pour un joueur comme Messi. C'est vraiment un phénomène, c'est vraiment quelque chose au-dessus d'autre planète. Et ça veut dire, ça, c'est l'équipe qui peut peut-être poser problème à une équipe comme Brésil. Effectivement. Et comme on a encore plein d'autres questions à vous poser, je vous propose de répondre par oui ou par non. C'est le oui-non de Thomas Mekich. Jingle. Vous connaissez le principe, Vaïd, vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non, pas de joker. Pas de joker, attention, on a un dossier, donc si vous ne répondez pas aux questions, à la fin de tout ce petit oui-non, on balance un dossier parce qu'on est comme ça ici. Hein, on est des méchants. Je suis habitué, ça n'a pas non. Ok. Bon, est-ce que vous aimeriez entraîner le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, Vaïd?
Répétez la règle. Ah, ok. c'était Édouard Cissé, votre meilleur joueur à l'époque au PSG, parce qu'il n'arrête pas de nous dire que c'était lui le boss. Vous savez, il est... Non. Ah, ok, bon, on lui montrera quand même parce que... Et on en profite pour lui, c'était un bon anniversaire. Il a fêté ses 40 ans il y a deux jours. Bon anniversaire, Edou. Si jeune et si beau. Vous aimeriez de nouveau entraîner en Ligue 1 un jour, Vaïd ? Oui. Est-ce que vous avez vraiment vomi quand Fiorez a signé à l'OM ? Oui. Ça va mieux depuis, j'espère. C'est passé ? Bah, heureusement. Vous lui avez pardonné ou toujours pas ? Oh, j'ai oublié pas l'histoire, je suis pas rancunier, mais j'ai mal vécu cette. C'est presque trahison, pas Vaï, c'est trahison et trahison à un groupe qu'il a donné beaucoup pour lui. Du coup, on est un traître pour vous aujourd'hui quand on passe du PSG à l'OM ou vice versa ? Oh, vous savez, ça c'est époque. Oui ou non ? Non. Non. Vous considérez-vous comme un coach autoritaire ? Ben, je pense oui. Vous comprenez que certains joueurs disent que vous êtes trop dur ? Non. J'aimerais qu'on regarde un passage de Téléfoot, s'il vous plaît. C'était en 2004. Vaïd, on regarde, on en parle après. Vous êtes intéressé par Lizarazu ? Parce qu'on a une interview de Vicente Lizarazu qui a passé 6 ans au Bayern Munich, qui a tout remporté avec le Bayern. Alors, vous n'avez pas du tout répondu à l'époque. Hein, ouais, vous en foutez de la... Il est parti, vous pouvez dire le fond de votre pensée. Ça vous auriez intéressé à l'époque, Lizarazu ? Ah ben, c'est un des meilleurs arrière-gauche du monde. Parce que c'est important pour lui, il aime bien quand on lui dit que tout le monde le veut. Tout le monde, il aime bien, comme ça. Hein. On lui enverra la vidéo. On lui montrera. Bah, seulement Lisa. Hein. Votre parcours avec l'Algérie en 2014, est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière de coach ? Un des meilleurs. La Coupe de France avec le PSG, peut-être ? Bah, vous savez, première année au PSG, on a fait doubler avec Budget, qui est 10 fois moins plus grand comme aujourd'hui. Dire, voilà. c'est pas la même chose. Est-ce que vous auriez mérité de battre l'Allemagne en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 ? Sincèrement et honnêtement, oui, ça passait pas loin. On a vu, on s'en rappelle. L'effectif du Japon est-il meilleur, l'effectif d'aujourd'hui, que celui que vous aviez avec l'Algérie à l'époque ? Je sais... collectivement, non. Individuellement, non. Individuellement, oui. Collectivement, non. Très bien. Bon, on voulait vous poser une question sur la France, mais vous avez répondu juste avant. C'est pas votre favorite. Merci. Didier Drogba, est-il le meilleur joueur que vous ayez eu sous vos ordres, coach ? Récemment, un des meilleurs, je connais. Paoletta ? Paoletta, Drogba, Yaya Touré, il avait pas mal joué. Mais je connais même Ronaldinho, mais il a resté avec moi très peu. Pas longtemps, malheureusement. Malheureusement. Si le LOSC vous avait appelé pour aider le club à s'en sortir là, cette saison, vous y seriez allé ? Oh, je suis obligé de prendre un joker. Ah, vous n'auriez peut-être pas dû. Je vais expliquer après. Voilà. Okay. Vous avez menti pendant cet entretien ou pas, Vaïd ? Non. Bon, on va quand même voir l'image parce que vous n'avez pas répondu à tout. On peut avoir l'image, s'il vous plaît, de Vaïd en mode coaching un peu particulier. Ah bon ? Regarde. Bon. C'est quoi ça, Vaïd coaché torse nu ? Voilà, des fois on pète des câbles dans le vestiaire. Pour moi, mais montrez moi un pectoral, vous voyez. Merci Vaïd. Merci Vaïd. Pour revenir sur Lille, si le LOSC vous demandait un coup de main aujourd'hui, vous diriez non ? Bah, j'ai déjà fait une fois. Pas deuxième fois, parce que vous savez, j'ai resté toujours attaché avec mes anciens clubs. Je n'ai jamais critiqué mes anciens clubs comme Lille, comme Rennes, comme Paris Saint-Germain. C'est pas ma façon. Ça vous fait de la peine en tout cas, j'imagine. Ah, c'est grande la peine parce que j'ai passé 4 ans inoubliables dans un. On a vraiment bossé, les garçons, ils ont tellement, tellement bossé. Vous savez, on est arrivé dans une situation presque... Le club, il s'est arrêté fonctionnement parce que M. Moura, à cette époque, comme maire de Lille, et il m'a dit, on va arrêter parce que ça nous coûte très cher, et on ne voit rien. Et à ce moment-là... Et 2 ans après, on joue Champions League. C'est vrai, vous avez fait monter le club, la Champions League. Années, mais pour revenir aujourd'hui, vous êtes inquiet pour le club aujourd'hui ? Ah, je suis très inquiet parce qu'ils ont tombé dans cette piège énorme. Je ne comprenais pas que
pendant des années, on a construit quelque chose. Ce n'est pas la même chose Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose à Lille. Il faut faire une différence énorme. Là-bas, c'est autre chose. Là, avec argent, on peut faire beaucoup de choses. Là-bas, il y a d'autres identités de clubs où on a oublié. C'est le Ch'ti, quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire de Ch'ti, l'histoire de Nord et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on peut avoir réussite là-bas. Et pour lorsque je suis... C'est un petit peu triste parce que j'ai vécu 4 ans inoubliables avec aventures sportives et aventures humaines exceptionnelles. Même maintenant, quand j'arrive là-bas, je vois beaucoup de gens avec grand plaisir. En ce moment, l'île est dans une situation très délicate, très dangereuse parce que avec tout l'investissement, pas seulement qu'il a fait le club, c'est la région, la mairie, qu'ils ont fait nouveau stade, nouveau centre d'entraînement et tout ça. Et arrêter, tomber en 12e division, ça va. Ils ne sont pas encore. On rappelle que le LOSC est actuellement 19e de Ligue 1. En tout cas, l'actualité du week-end, c'est la victoire en Coupe de la Ligue du Paris Saint-Germain. Certains Parisiens se sont filmés après le match. C'est le sale foot, ce sont les détraqués. Salut les amis, c'est Néné, Boubobo, j'ai très content, mon pied réparé, et puis le PSG a gagné la Champions League. Né, c'était pas la Champions League. Ah pardon, alors j'ai très content que le PSG a gagné l'Europa League. Mais non, mais c'était la Coupe de la Ligue, avec Amiens et Strasbourg. Ouh, finalement je crois que j'ai encore mal, aïe aïe aïe. Oh c'est bête, tu vas louper une super finale de Coupe de France contre Chambly ou les Herbiers. Ouh là là. Ah, c'est incroyable la voix de Mbappé. Le résultat du sondage, ouais. Charlotte. On montre tout de suite. Eh bien, quart de finale maximum qui l'emporte à 34%, suivi d'une victoire, demi-finale et finale. Et d'ailleurs, on vous avait déjà posé la question. Ouais, c'était au mois d'octobre, je crois. D'octobre 2017. Eh bien, est-ce qu'on est plus pessimiste? Eh bien, c'est à peu près pareil. Franchement, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. On est toujours dans le même avis. Quart de finale maximum. Plutôt pessimiste. Ça augmente pas. Ouais. Quart de finale pour l'équipe de France. On va retrouver une dernière fois les détraqués. Je crois qu'un certain Zinedine Zidane a une question pour vous, Vahid. Ah. Bonjour, Vahid. En 20 ans, vous avez entraîné 10 équipes différentes. Allez, avouez, vous faites un concours avec Bielsa pour savoir qui en aura fait le plus. Alors, est-ce que vous faites un concours pour faire le plus de clubs possible? Vous demande Zinedine Zidane. Il trouve que vous êtes un globe-trotteur. C'est vrai, je suis un petit peu expatrié et je suis plus étranger depuis certains moments où j'ai mes raisons. Vous savez, depuis 10 ans, j'ai entraîné 3 équipes étrangères pour se qualifier pour Coupe du Monde. On a réussi 3 qualifications. C'est quand même, je pense, appréciable. Et après, j'ai entraîné un club au Dynamo Zagreb. On a fait doublé, ça veut dire être champion et remporter la coupe. Ça veut dire, mon expatrié, c'est quand même appréciable sur le plan statistique. On a gagné quelque chose. Et à un moment donné, il faut peut-être revenir au pays aussi. Ça va être le mot de la fin. On va se quitter en vous souhaitant un bon week-end de Pâques. Vous pouvez acheter des chocolats à l'initiative de la LFP. Regardez ces petites boîtes-là et de la Ligue 1 Conforama. Les bénéfices seront reversés à l'association Rêve qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Vous regardez l'adresse pour les acheter, chocoligue1.fr. Voilà, je vais vous offrir une petite boîte, mon cher Vahid. Une petite boîte pour chacun. On va en distribuer aussi également au public. Il y a des petits ballons qui sont vendus avec ces boîtes. Voilà, on va voir si vous avez des bons réflexes, les enfants. Voilà, c'est pour vous. Mais non, vous allez tous avoir des boîtes. Voilà, Eric, vous pouvez lancer des ballons pour le public. Ça fait des bagarres. Il n'y a pas des grands gardiens dans le public de Téléfoot. Un grand merci d'avoir passé cette matinée avec nous, Vahid. On vous souhaite une super Coupe du Monde, d'accéder au second tour. Et on se dit à très bientôt. Merci Jean-Christophe, merci Charlotte, merci Thomas. Salut à tous et à dimanche prochain. Bye bye. Salut.